un all new chic. Un all new. Ça vous dit? Alors c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour deux halls. Le premier qui est un all new chic et le deuxième qui est un all nose. Alors, concernant le all new chic, pour être tout à fait transparente avec vous, c'est une grande première pour moi puisque c'est un partenariat. C'est-à-dire que le site New Chic m'a contactée en m'offrant une certaine somme pour pouvoir en fait m'acheter certains produits pour vous les présenter. Naturellement, vous vous doutez que j'ai dû craquer sur des bijoux. Et puis, j'ai voulu faire plaisir également à Clara. Il faut savoir que le site New Chic est un site qui est asiatique, c'est-à-dire que c'est comme les autres sites asiatiques que vous connaissez. La seule différence, c'est qu'au niveau des délais de livraison, ils sont beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que moi, en gros, j'ai mis une semaine pour recevoir mes articles. Et puis alors, c'est super parce que c'est livré par DHL. Et par exemple, donc ça a été en fait trois envois différents. Et au niveau de mon troisième envoi, comme c'était le jour où je partais en vacances, j'ai pu en fait le faire livrer à mon retour. Donc, j'ai tout reçu finalement avant de partir, sauf le dernier article que je vous présenterai. Au niveau de ces articles, je vais vous montrer les emballages. Donc tout est arrivé protégé et puis surtout en très bon état. La seule autre différence également qu'il y a avec les autres sites asiatiques, c'est que c'est un petit peu plus cher. C'est un petit peu plus cher, mais ça s'explique justement par rapport au délai de livraison, où au lieu d'attendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, résultat, vous avez vos articles une semaine après. C'est plusieurs vendeurs, d'où le fait que j'ai eu 3 colis différents. Et puis au niveau du site, vous aurez toutes les références alors et du site et des produits que nous allons vous montrer en barre d'infos. Et vous verrez, si vous faites un petit tour sur ce site de New Chic, vous verrez qu'on retrouve de tout. Alors à la fois pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour la décoration, des bijoux, du make-up, des vêtements, c'est vraiment très très varié. On va commencer tout d'abord par, je vais d'abord vous présenter comment on les a reçus ces produits. Donc on les a reçus en fait des grosses enveloppes plastiques. Vous voyez. Et puis au niveau de la protection, à chaque fois nous retrouvions en fait des petites protections comme ça pour chaque produit. Sauf pour le sac de Clara qui était emballé dans un sac plastique. Alors, je voulais, du coup, j'en avais profité pour faire plaisir à Clara. Je vais laisser la parole à Clara qui va vous présenter ce que je lui ai, du coup, commandé. Alors, maman m'a offert un sac. Donc, il y a une grande poche avec une autre poche à l'intérieur. Montre bien parce que là, je crois que personne n'a rien vu du tout. À l'intérieur, vous voyez, il y a encore une petite poche. Et une petite poche avec un petit chat rond avec des oreilles de chat. Et il est très pratique et on peut ranger beaucoup de choses dedans. Alors vous comprenez pourquoi elle a craqué et que j'ai craqué. Ça, c'est trop mignon. Et puis ça, c'est super mignon. Est-ce qu'il est solide ce sac? Oui. Alors qu'est-ce qui te fait dire qu'il est solide ce sac? Je suis partie en Sardaigne avec et il n'a pas bougé. Il est toujours très bien. Voilà. Donc effectivement, nous avions pour l'avion droit à un petit sac à dos ou un sac à main. Clara l'avait bourré mais à bloc parce qu'il pesait d'ailleurs 2 tonnes ton petit sac. Et il a très bien supporté le voyage et franchement, c'est dommage que je lui dise que c'était pour elle parce que moi je l'aurais bien gardé pour moi parce qu'il est vraiment super qualitatif. Donc notre petit chat. Moi, voilà, vous en voyez déjà un. Regardez ce que j'ai commandé pour moi. Effectivement, j'adore les pompons, j'adore les grandes boucles d'oreilles pendantes. Et du coup, j'ai acheté...
j'ai pas vraiment acheté puisque ça m'a été offert, ces jolies boucles d'oreilles donc à pompons. Elles sont absolument pas lourdes, elles n'ont pas bougé depuis que je les ai, puisque du coup je les ai reçues avant les vacances. Et puis vous voyez, regardez, hein, ça rend plutôt pas mal. Le troisième article pour lequel j'ai craqué, c'est également, donc regardez, hein, celle-ci, elle est encore dans l'emballage. Comme ça, ça vous permet de vous montrer comment ça arrive. Les autres, si je vous montre, c'était pareil. Hein, c'est dans un petit emballage comme ça, plastique. Donc, j'ai acheté. Alors, j'hésitais. Je vous montre celle-ci portée, celle-là. Mais je vais vous les montrer portées parce qu'elles sont vraiment trop jolies. Ce sont des pans. Eh, elles sont, mais trop belles. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir. Hop. T'as pas mis les petites boules sur l'autre là ? Non, c'est parce que j'ai. Comme ça, c'est plus rapide pour enlever. Donc, regardez. Elles sont, mais super originales, quoi. Ça, c'est le premier article quand j'ai commencé à regarder ce que j'avais envie, sur lequel j'ai craqué. Je vais peut-être l'enlever. Hop. Et le quatrième article pour lequel j'ai craqué, je vais peut-être tirer une boule en balle, si tu me le déballes s'il te plaît, pendant que je remets mon autre boucle d'oreille, et ça va me permettre du coup de vous donner les prix. Au niveau du sac, le sac de Clara coûte 17,78 €. Et oui, 17,78 €, hein, il y a des centimes. Au niveau de ces boucles d'oreilles rouges, elles coûtent 6,87 €. Les boucles d'oreilles pan coûtent 6 €. Du coup, j'en ai remis qu'une là, 6,99 €. Et puis, le dernier article que j'ai commandé et qui coûte 10,99 €. Et oui, c'est cette montre avec le chat. Vous avez toutes les couleurs au niveau du bracelet, donc c'est un bracelet cuir, hein. Vous avez du rouge, vous avez du noir, du rose, du bleu, de l'orange. Alors, j'ai mis la pile il y a quelques jours, hein, puisque je suis rentrée seulement qu'il y a quelques jours. La pile, elle était déjà, mais vous savez, j'ai enlevé le petit truc en plastique là qui permet du coup à la pile de démarrer. Elle ne s'est pas du tout arrêtée. Et voilà, regardez, hein, ce que ça donne porté. Moi, orange, je trouve ça super, super original. Donc, le problème, c'est que moi, j'ai toujours un petit poignet. Donc, du coup, après, il va falloir qu'elle s'y mette. Elle est même un tout petit peu grande, mais ça c'est mon cas à moi, hein, souvent. Donc je verrai, ou je demanderai à mon mari de me refaire un petit trou supplémentaire, ou de la laisser ainsi. Mais moi je la trouve vraiment très 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 sympa. Donc pareil, hein, au niveau de la finition, souvent quand c'est chinois, ça laisse à désirer. Là, franchement, au niveau de la finition, il n'y a rien à redire. Donc voilà, hein, c'était mes petits achats offerts sur le site de New Chic. Donc tout est en barre d'infos, hein. Vous retrouverez les liens si certains produits vous intéressent. Vous pouvez y aller donc du coup en cliquant sur le lien directement, hein, sur l'article, ou en cliquant sur le lien du site directement sur le site pour aller en faire un petit tour. J'ai oublié de vous préciser que ces boucles d'oreilles, moi je les ai pris en rouge, mais naturellement il y avait toutes les couleurs. J'avais d'ailleurs hésité avec une paire de orange. Donc voilà pour ce premier haul New Chic. Le deuxième haul, on a dit que c'était un haul Nose. On a dit que c'était un haul Nose. Je vous avais dit qu'il fallait que j'y retourne, car il y avait un arrivage de bijoux en céramique, plaqué or et plaqué argent. Donc Clara, elle a d'ailleurs, on vous les avait montré, hein, toujours ses petites boucles d'oreilles sur elle. Et je vous avais dit justement que Clara, elle avait un problème, c'est qu'elle ne supporte que l'or. Elle ne supporte que l'or. Du coup, je lui ai dit, écoute, on va t'en racheter, parce que au prix où on les trouve en boutique et au prix où on peut les acheter chez Nose, hein, du coup, on a filé.
On a vite filé un matin, on a demandé à la caissière la petite boîte hein, avec les bijoux en céramique. Elle nous a mis dans un petit coin de la caisse. Donc je vous dis, hein, si ce n'est pas en caisse, parce qu'à Perpignan je l'avais trouvé en caisse, c'est qu'il faut demander. Hein, car là par exemple, elle m'a dit on ne le donne pas à tout le monde, hein, on attend qu'on nous le demande. Du coup, je vais. Clara, elle va vous présenter les boucles d'oreilles qu'elle a achetées. Que j'ai achetées. Donc, on s'était dit bon, l'or, le plaquer or, il n'y a pas de souci, elle supporte. Du coup, on a repris hein, une autre paire de boucles d'oreilles en plaqué or. Donc, je mets ma main juste derrière. Donc, attends, il faut que tu recules légèrement par rapport au zoom. Voilà. Donc, je te laisse les présenter. Voilà. Donc, elles sont en or. Elles ont plaqué or. Plaqué or. Et elles ont un contour en céramique noire. C'est en céramique ? Oui, c'est de la céramique. Et après, il y a un autre petit cœur avec des petites strass dessus. Des petites strass dessus. Donc, je vous avais dit, hein, cette marque, c'est celle qui livre tout ce qui est mati, histoire d'or. Donc, en boutique, vous les retrouvez à entre 37, 40, 50 et j'ai même vu à 107 euros. Hein. Donc, vraiment, là, ça valait le coup. Et on s'est dit que si elle supportait l'or, est-ce qu'elle allait supporter, du coup, l'argent? Du coup, on va tester et on a pris une deuxième paire de boucles d'oreilles. Alors, je vais vous le dire, ce qu'on ne vous l'a pas encore dit, hein. Tous les bijoux qu'on va vous présenter sont à 7,99€. Donc elles sont blanches avec à l'intérieur. Pas plus fort, je t'ai déjà dit ma chérie. Elles sont blanches en céramique et à l'intérieur il y a des petites strass. Des strass. Alors c'est la marque, donc on ne sait pas trop, hein, c'est marqué. MDD, alors je ne sais pas si vous allez voir hein, ici. Par contre, c'est bien indiqué que c'est garanti argent 925 millième et c'est marqué hein, ici, c'est bien marqué que c'est de l'argent massif. Donc franchement, une super affaire. Vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. Moi, je me suis donc prise celle-ci, donc en céramique blanche. C'est simple, je crois que tout ce qui était taille 56 et qui m'allait hein, a fini sur mon doigt. Donc, regardez, grosse céramique blanche, argent et strass. Je vous montre, voilà, hein, au niveau de la bague. J'ai pris une autre bague qui là est en céramique noire. Alors, tout est à 7,99€, hein, je ne vais pas vous le répéter. Donc, céramique noire avec là une toute petite bande en argent avec des petits strass. Et je me suis pris une troisième paire. Alors, j'adore. Elle est où ? Eh bien, elle n'est pas là. Je l'ai oubliée, ma troisième paire. Elle est où ? Elle est dans la petite boîte là-bas sur la table, ma chérie, ça ne te dérange pas. Du coup, Clara, gentiment, va aller me chercher ma troisième bague que j'ai oubliée. En attendant, du coup, je vous montre, je me suis du coup aussi acheté deux paires de boucles d'oreilles. Donc, celle-ci, avec petit cœur en céramique blanche et puis croisé argent avec des petits strass. Ça fait penser un petit peu, vous savez, aux bijoux chômés hein, au niveau du petit X qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, je me suis pris une paire de boucles d'oreilles noires pour aller avec mes bagues en céramique noire. Et ce sont donc celles-ci. Donc, petit cercle noir avec hein, une toute petite bande de strass tout en argent. La troisième bague, donc, elle est en plaqué. Merci, ma chérie. Elle est en plaqué or. Elle est composée de trois anneaux. Vous avez, regardez, un premier anneau. Alors, elle est attachée hein, par rapport à la taille. Elle a donc un premier anneau, un deuxième anneau et un troisième anneau. Donc, le combo se fait ainsi. Vous voyez ? Et alors là, par contre, celle-ci, elle en jette. Ce qui est super joli, c'est en fait cette céramique qui est toute striée
ça capte la lumière, c'est vraiment super, super joli. Donc après, hein, rien ne vous empêche de la mettre séparément, d'en mettre qu'une, et puis voilà, hein, et le tour est joué. Donc foncez hein, dans vos nozes, 7,99€ pour faire des petits cadeaux, ou tout simplement aussi, ah j'ai fait tomber la bague. Elle est partie sous le canapé. Le nouveau canapé que vous avez peut-être remarqué. Bon, on ira après la vidéo à la recherche de la bague. Donc, voilà pour nos achats. Hein. Donc, je vous disais, surtout foncez au niveau de chez Nose parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis, on a trouvé un tout petit truc aussi pour Clara. Un porte-clés emoji. Vu que maman et moi, on fait de la Cévienne. Donc, c'est un emoji dans ce Cévienne qui ne veut pas se mettre à l'endroit. Voilà. Et voilà. Voilà, il n'y en avait qu'un. Donc, du coup, je lui ai dit, tu le veux, sinon je l'aurais bien pris aussi pour moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Petit retour sur mon dernier haul Nose. J'ai eu un commentaire qui me dit que c'était dommage que je ne mette pas toutes les bagues hein, pour vous montrer si c'était imposant ou pas. Donc, écoutez, j'ai fait le choix d'en reprendre que 4 pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Donc, voici pour la première. Sachant qu'en fait, les autres, elles sont à peu près de la même taille. Donc, j'ai pris des formes différentes pour que vous voyez ce que ça pouvait donner au doigt. Voici pour la deuxième. Voici pour la troisième qui est celle-ci, donc la plus grosse. Hein. Donc là, par contre, ça en jette. Hein. On peut même se défendre. Et puis, la dernière qui était une forme qui était donc allongée. Hein. Vous voyez, ça rend super... super bien. Donc voilà, un haul New Chic. Donc je remercie la marque New Chic hein, de m'avoir fait confiance, de m'avoir contacté pour présenter ces produits. Hein. J'espère que ça se renouvellera, pourquoi pas, parce que j'ai remarqué d'autres trucs qui étaient sympas sur le site. Donc je vous conseille d'aller en faire un petit tour hein, sur ce site asiatique. Je vous ai dit, hein, c'est plus cher que chez les autres sites asiatiques, mais la différence va se faire au niveau de la livraison. Super bon plan chez Nose avec ses bijoux en céramique. Hein. Si vous en avez trouvé, n'hésitez pas également à me le dire. Et puis, je vous remercie encore de tous les commentaires que vous me laissez en barre d'infos. Ma petite assistante, là, elle a répondu à certains commentaires. Je suis désolée, j'ai du retard. Forcément, j'avais plein de choses à vous montrer. Du coup, il y a plein de vidéos qui sont sorties et j'ai pas eu le temps de répondre encore à tous mes commentaires. Mais je répondrai à tous vos commentaires. Quelque chose à dire, ma chérie? Au revoir. Ça, c'est clair. Hein? Au revoir. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.